Alors là, tu peux rien faire. Là, je vais te niquer la gueule. Je l'ai raté. En plus, il empoisonne. Alors, j'ai envie de tester un truc. Ah, la soupe! Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la suite toujours de nos aventures sur Dying Light, Stay Human. Et aujourd'hui j'ai décidé d'enchaîner sur la quête principale, que nous allions faire la quête secondaire que nous avons démarré la dernière fois, qui s'agissait de la mutation étrange, le sort de Malabar qui avait muté et qui était enflammé. Il y avait une deuxième partie à faire, donc on va s'en occuper aujourd'hui. Hop, j'allais dire ce matin, mais ça dépend quel heure vous regardez cette vidéo, c'est peut-être ce soir pour vous. Juste rapidement pour information, je vous montre. Alors désolé si vous voyez des choses qui apparaissent à l'écran qui sont bizarres. J'ai encore de nouveau exploré la carte. Donc j'ai fait toute cette partie là, ça on l'avait fait. J'ai fait celle-ci je crois aussi. J'ai fait ici. J'ai commencé à faire cette partie là, je n'ai pas fini. Et je n'ai pas encore attaqué les terres des territoires des Renégats. Et j'ai fait quelques quêtes secondaires, style des quêtes qui sont des défis parcours. Et malheureusement, durant ma balade, en fait, voilà, j'ai l'indicateur de mission qui est apparu de cette manière-là, parce qu'il y a une manière différente de le faire. Et surtout, il y a Lawan qui m'a indiqué comment procéder. Donc elle me demande d'utiliser le vent pour atteindre le bâtiment, donc le point 2, pour atteindre le bâtiment qui est là. Parce que si vous regardez, en fait, voilà, ce bâtiment-là n'est pas accessible sans utiliser en gros le parapente. Alors ça s'appelle pas un parapente d'ailleurs. Si, ça s'appelle un parapente. Voilà, j'ai dit de la merde. Ça m'étonne pas. Et ça m'a encore mis un indicateur sur la carte. Donc je n'ai pas besoin. Donc on va aller d'abord faire cette petite quête rapidement. Parce que je vous ai posé la question, j'ai une seule réponse sur Discord, mais cette réponse m'a suffi. Et c'est un peu. Je vais pas dire que c'est ce que j'attendais, mais voilà. Je voulais votre avis. Vous me l'aviez donné. Même minoritairement. Et on va faire ça. Alors, comment on va s'y prendre? Parce qu'il y a pas mal de zombies, de zombax. Et bien sûr, évidemment, j'ai farmé comme un gros cochon dans les zones sombres. Me balader, à tuer des ennemis. Aïe! Ah ben alors, ça part mal. Ça part très mal. Ok, toi. Ah bordel! Bon, j'en étais sûr. T'es chaud déjà? Oui, j'ai des soins. Heureusement, j'ai amélioré tout ce que j'ai pu en termes de soins. Évidemment, les armes, je suis pas mal stuff. Pour être franc. Par contre, oh putain, il a une portée! Il a une sacrée portée. Alors, moi aussi, je peux jouer, le gars. Hop! On va faire ça. Déjà, hein, on va s'occuper de quelques zombax. Pour être tranquille. Hop. En plus, quand on les électrocute, on est tranquille. Et toi, ben écoute, on va te faire à l'arc. Hein. Je sais, c'est pas très bon jeu. Ah, la saute. Hop les. Alors. Vas-y, montre-moi comment t'attaques. Oh là là, la portée de malade. Ok, alors faut pas que je m'approche. Il fout du poison partout, ce gros cochon. Ouais, ouais, je m'emmerde même pas. J'ai des attaques suffisamment puissantes. Évidemment. Ah oui, mais il m'empoisonne en fait. En gros, il me faudrait un truc qui me protège du poison. Mais je ne l'ai pas. Donc, ben, on va continuer à l'arc. Ah merde, je l'aime pas lui. Je vais me faire buter. Hop les. C'est bien parce que j'ai pris quand même, j'ai changé mon équipement pour avoir un truc où c'est un poil plus simple, mais... Ouais. Ouais, on va prendre de la hauteur. Ils font mal, hein. Voilà. Ça fait 1000 d'expérience en plus en combat. Oh, il y a une partie 3. Bon, on va pas faire la partie 3 maintenant, je vais pas vous embêter.
avec toutes les parties, mais ça commence à faire une quête assez longue en soi. Ok, des trophées infectés moyens. Il y a quelqu'un qui parle, elle me fatigue. J'aimerais qu'elle se taise. S'il vous plaît, taisez-vous. Fermez-la. Alors, est-ce qu'on a d'autres choses à ramasser? On va pas se prendre la tête. Eh bien, on va enchaîner avec la quête secondaire. La quête secondaire, n'importe quoi, moi. La quête principale. D'ailleurs, il y a un emplacement non découvert. Oui, on va pas s'embêter avec ça. Donc, il faut... Qu'est-ce que c'est, d'ailleurs? Coursier. Ah oui, j'ai parlé à des gens et ils m'ont permis d'aller voir les coursiers. Qui sont apparemment dans les contrats. Si je vais ici. Voilà, contrat de traceur nocturne. Apparemment, ça serait eux. Ah non, pas du tout. Non, non, pas du tout, ils sont pas là. Non, je vous dis une bêtise. Je vous dis une bêtise. C'est pas grave, ça arrive. Donc, il faut que j'aille là. Donc, le plus simple, c'est que je vienne ici. Donc, je vais faire le voyage rapide. Je vais me rendre au point 2 de cette quête. D'ailleurs, qui est définie en quête suivie. Donc, c'est parfait. Tiens, j'ai pas récupéré ça. Ah, si, j'avais récupéré. Poussière de cristal. Intéressant. Oui, donc ça c'est le bug du jeu qui vous dit attention, t'es dans une zone sombre en pleine journée, ne viens pas, tu vas mourir. Mais non, c'est rien de tout ça. Allez, je vous rejoins quand je suis au point 2. Ça sera plus simple. Et Aiden est bourré, je crois. Et oui, pour info, donc j'ai fait pas mal de choses de nuit pour essayer de monter un maximum mon expérience. C'est pas facile la nuit, hein. Là en plus j'arrive dans des zones où on commence vraiment à avoir pas mal de zombies la nuit qui sont très agressifs. Et donc il faut se débrouiller avec. Ok, en fait, ouais, franchement c'est que ça. C'est moi, il a parlé en anglais ou allemand, je sais pas quoi. Oula, on se calme. Alors est-ce qu'on a des choses à looter? Alors j'ai atteint le bâtiment. C'est bien. Alors je veux pas descendre. L'indicateur me dit au-dessus. Ah ben voilà. Oh là là, moi je fais tout le tour. Oh, un piano. Rendez-vous à l'appartement. Objectif mis à jour. Trouver des objets de valeur pour Juan dans l'appartement. Juan ou Juan? Juan. Je ne sais plus. Donc on a un piano. On a une cassette. Tiens, un objet de collection. Qu'est-ce qu'on a ici? La One, il reste rien. Ah bah oui. Tanner a dit que c'était un endroit vierge. Continue de chercher. C'est un endroit vierge, continue de chercher. J'ai pas que ça à foutre. Ah oui, là-haut. Ok. Je voulais juste qu'il s'aide à se propulser pour monter et en fait il a voulu passer par-dessus. C'est vrai que ça ne gère pas. Ah, qu'est-ce que c'est? Utiliser. Je m'excuse, on dirait qu'il n'y a pas de place pour toi dans l'hélicoptère, finalement. Je vais essayer de t'en envoyer un autre, ne t'en fais pas. Il fallait que je sauve la collection. Bien à toi, T. Oh non. Il a pris ses peintures, mais il n'avait pas de place pour Jessica. Quel salaud romantique. Je dirais un salaud tout court. Faut pas arriver. Tâche facile. On va essayer, hein. Ouais. Facile, normalement. Alors, je ne fais pas le forcing, parce qu'en fait, ça consomme les crochets. Et ça m'intéresse pas, pour être honnête. Alors là, faut monter, donc on ira voir un peu après. Il y a un téléphone. Il va y avoir un message réponse. Voilà. On va l'écouter. Monsieur Bukowski, votre transport est en route. Merci. La collection devrait déjà être sur le toit. Ah ah ! Dès que l'hélico sera au-dessus de la ville, on vous rappellera. Il a peut-être pas réussi à partir avec. Je crois que j'ai trouvé sa cachette. Un hélicoptère devait venir chercher ce type. Ils ont tout envoyé sur le toit. Je vais voir. Bonne chance. Ok. Donc là, on a le toit. C'est vrai que c'est bizarre, ce trou. Ok, ouais, bah oui, ça paraît logique au niveau du conduit, en fait. Ah! Ah oui! Bon, t'as pas vu trop fuir, en fait. Ah, putain. Il reste aucun tableau. Ouais. Tout a été détruit. Bah oui. Apocalypse zombie. Collectionneur. Mais aucun signe de sa collection. Lawan ? Eh, t'es là ? Je suis sûr, il y a autre chose. Bon sang, Aiden. Ok, rapidement. Rien ici à part une bouteille de whisky et une de vodka. Au moins, le whisky est un bon produit. Juan aime le bon whisky.
Peut-être que si tu le saoules, il va se détendre. Enfin, pour ainsi dire. Non. Il est toujours à la cantine ? Je l'ai vu partir. Il avait l'air de se diriger vers le bateau. Ah. Il est probablement dans ses quartiers. Ah. Je vais le chercher là-bas. Au fait, bon, on va prendre ça. Junior est un très grand fan de cette vodka. Ah. Si t'as l'intention de passer, ce qui n'est probablement pas le cas. Donne-moi, donne. Mais si tu veux vraiment connaître cette ville, faut passer par là. Je dis ça, je dis rien. Ah, mais faut vraiment que je récupère, en fait. Prenez l'alcool. Objectif 1 et 2. Parler à nouveau à Rohan, assister à la fête de Danior. Eh bien, on va faire ça. Ouh là là, alors là, ça me donne envie. Oh, ouhou, je commence à maîtriser le parapente. Ouais, je commence à choper le truc. Bon, par contre, faut que je fasse toujours gaffe à l'endurance, parce que ça descend extrêmement vite. On passe dans l'arbre, tout va bien. Pas sûr que vous pouvez faire ça dans la baby. Alors ce qu'on va faire, on va descendre. Vous allez vite voir pourquoi, pour récupérer ça et de l'endurance. Ouais, c'est l'avantage, c'est qu'on récupère de l'endurance en passant dans ces trucs-là, c'est bien pratique. Il y a la note là-bas. On devrait pas être loin de notre objectif en plus. C'est parfait. On devrait pas être trop bas. Je vais essayer de faire un petit coup de boost. Voilà, quand il lève les jambes pour monter en même temps. Hop. Bah finalement on va devoir descendre, mais je préfère descendre que de devoir monter. Bah de devoir monter, non c'est pas possible en fait. Je suis bloqué. Je suis bloqué ce con. Donc on va passer par là. L'indicateur 2, il est... Ah mais c'est là-bas. Oh là là. On va assister à la fête, c'est un objectif optionnel. Mais je me dis ça peut être intéressant. Ah. Joyeux anniversaire, Danior. Ah, tu es venu, après tout. Tiens, un petit quelque chose pour fêter une autre année sur cette planète. Qu'est-ce que tu me veux, Gadjo ? Comment ça ? De quoi t'as besoin ? Pourquoi me faire des cadeaux, tout d'un coup ? Oh. Lawan a dit que c'était ton anniversaire, alors j'ai pensé que... Je comprends le concept du cadeau d'anniversaire. T'agis comme un tel connard. Oh, le bâtard. Ouais, Il m'emmerde, lui. Ok, écoute... Joyeux anniversaire. Ah, j'ai perdu le pari. Mais au moins, j'ai quelque chose... Ah, le salopard. Un pari ? Peu importe. Lawan est au bar. Le salopard. Ils ont fait un pari avec Lawan. Et c'est tout ? Ouais, bah non, elle est là. Oh là là. Lawan, t'es bourré. Laisse-moi attraper une bouteille qu'on puisse te mettre au jus. Allez, toi, tu l'es déjà. Oh, Rove. Écoute, tu sais à quel point les choses peuvent être stressantes parfois. Ah, me dis quelque chose, cette voix de doubleur. Les ordres, ils ont aucun sens. Tu te bats contre la montre pour que tout Ah, Dwayne Johnson. Je te comprends, crois-moi. Alors, t'as réussi. Lawan a gagné. Lawan a gagné. C'est à propos d'un pari. Ouais, avec Danior. Elle était sûre que tu viendrais. Lui, pas tant que ça. C'est presque comme si ça comptait pour elle. C'est inhabituel. Donc en fait, on a bien fait de faire l'objectif secondaire. Le meilleur alcool de Nicolas. Enfin, optionnel. On était sur le point de jouer c'est pareil. Jeu. Non, Lawan, pas du tout. Allez. Je me barre. Ouais, comptez pas sur moi. Je suis déjà trop bourré. Quelle belle bande de losers. Tu joues, Aiden ? Allez, on est fou. Oui, je sais pas ce que c'est, mais okay, on va jouer quand même. On y va. Mon gars ! Les règles sont simples. Soit tu réponds à une question super perso sur toi-même, soit tu dois réaliser le défi. Ouais, je vais répondre aux questions. Ok, alors si je veux pas répondre à la question, je dois relever le défi ? Elle a les yeux qui brillent un peu. On décide si c'est action ou vérité. Si tu fais pas ce qu'on te dit, tu bois. Ah, alors, j'ai pas trop compris, hein. Faut arrêter la piscole. Est-ce que t'as couché avec quelqu'un à Ville d'Or ? Non. Réponds à la question, bois. Ah. Non. T'es sérieux ? Peut-être que le gars a des critères. Tomber amoureux en premier et tout le tralala. Ouais, bah bonne chance. Ah, tutti quanti, c'était pas mal. Tout le monde j'aurais n'est préféré. Pas comme toi, Rove. T'es un beau gosse, Rove. À toi. Avec ses cheveux là. Je veux t'entendre jouer. Va te faire foutre. Attends, qu'est-ce que tu veux dire ? Je boirai. Laisse tomber. Tu joues d'un instrument ?
Oh. Peu importe, je m'en fous. J'ai bu. De toute façon, t'as trop bu pour jouer d'un instrument. Du ukulélé. Vraiment. Les gars, on continue. Ouais, c'est nerveux. Aiden, tu joues pour Rove et je te mets au défi de demander à Rove de chanter. C'est affreux. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Demandez ce qu'il faisait avant tout ça. Ah, on va lui demander de chanter. Action. Écoutons cette voix, Rove. Tu l'as cherché. Ouh là là, j'ai peur. J'ai très peur. Nous resterons debout. Ensemble, nous allons tomber. Notre amour a été le plus fort. Oh putain. Il est bourré. Le plus fort de tous. Et les moments où nous sommes ensemble. Et tous les rires que nous partageons. Oh bon Dieu, tuez-moi! Tuez-moi avant d'avoir à entendre une autre note! Je suis pas sûr que c'était une note. Ça suffit avec ces conneries. Tu veux poser une question au maître assassin ici présent? Maître assassin? Je me suis toujours posé des questions sur cette liste de cibles. Tais-toi, Rove. C'est pas ton tour. Ah. Comment a commencé la liste de cibles? Qu'est-ce que t'as fait après avoir échappé à Walls? Est-ce que les deux ne seraient pas liés? On va faire ça. Ah ouais, la liste de cibles. Comment ça a commencé? Par un bâtard qui a dû payer pour ce qu'il a fait. Ça a commencé avec une cible. Ah bah oui, bah puis ça. Il y en a eu une autre. Et puis tout un tas. Mais qui a été la première cible? Bolts. Ça, c'est une autre question. Bois. Non, il te fait juste répondre à la première question. Ah. Qui se soucie de ce qu'il a demandé? Ça a commencé bien avant ça. Quand j'ai échappé à Waltz... Ah, voilà. Frank m'a aidé. Il m'a montré que je pouvais faire autre chose de cette colère que j'ai en moi. À l'époque, je pensais aller rejoindre. Être un traceur nocturne. De qui est-ce que je me moquais? Ils ont été anéantis à la tour VNC. Frank a perdu presque tout le monde. Les traceurs nocturnes sont tombés. Et Frank a commencé à boire. Ah. Il a renoncé à la vie. À lui-même. Donc c'est à ce moment-là qu'elle a décidé? Et donc, je ne suis pas un traceur nocturne. Mais au moins, j'ai ma liste. Il y avait Walt dans le dos, non? Bonne nuit. Bonne nuit, il est 8h du matin. Tout j'ai va bien. J'ai posé la mauvaise question. C'est la beauté du jeu, pèlerin. Tôt ou tard, tu tombes sur la mauvaise question. À bientôt, j'imagine. J'imagine aussi. Ok. Il faut aller... Ah, d'accord. Assister à la fête de Danior. Gadjo, te voilà. Merci. Merci pour la vodka. Merci. Buvons. Oula. À moi et à une nouvelle année dans ce trou à rat. T'es pas le pire, tu sais. Tu t'échauffes enfin pour moi? Oula. Non, c'est juste qu'il y a des trous du cul bien pires. Et que je suis saoul. Oui, bah ça on l'avait remarqué. Où est la One? Je l'ai vue avec toi. Elle est allée se coucher, elle a dit on bonne a nuit. On a joué au jeu et j'ai posé la mauvaise question. Oh bah oui, comment oui, a commencé oui. La liste de cibles? Ah, Gadjo, Gadjo. Tu lui as fait repenser au passé. Non, c'est vrai? Et je te dis ça parce putain. Que je t'aime bien. Je sais même pas pourquoi je te dis ça. Putain. Parce que t'es bourré. Jamais. Ne pose jamais de questions sur le passé à la One. T'as compris? Pas de la One. Maintenant, dégage. C'est mon anniversaire. Je sais pas. C'est vraiment syntaxatiquement parlant. Ben, juste de dire à la One. Le passé de la One. Ah, hop, allez, on va aller voir Juan. On va aller lui péter les dents. Il est sur le bateau. Et le bateau, il est juste là-bas. On le voit, putain, on voit loin, en fait, dans le jeu. La distance de vue est quand même assez grande. C'est intéressant. Oh, attendez, il faut que je m'arrête là. Au petit bosquet de toit. Puis, de toute façon, j'ai plus d'endurance. Alors ça, c'était pas prévu.
Mais tant qu'on y est. Oh là là, voilà. J'aime bien quand il tape comme ça les trucs. C'est rigolo. Alors, par contre, ce son des abeilles est hyper relou. Quand vous avez fait ça, quand il y a des moments en hors cam, j'ai fait ça 50 fois d'aller sur les bosquets de toit pour récupérer les trucs. J'en pouvais plus, j'avais les oreilles qui bourdonnaient. J'espère pas tomber sur un... Mais non! De toute façon, il faut aller au sol pour aller au bateau. On va essayer quand même de passer un maximum par les toits, il y a moins de zombax. Oh, je sais, vous allez me dire, mais oui, mais ça te fait de l'expérience. Oui, mais rien à foutre. Hop! Hop, les petits zombax. Oh, attendez, est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Ils ont mis enfin cette fonctionnalité qu'ils nous avaient présentée dans la bande-annonce 3 ans avant la sortie du jeu. Ils ont enfin mis cette fonctionnalité. Mais je crois que ça consomme des... pas des shurikens, mais des couteaux de lancer. Mais bon, c'est pas grave à la limite. Oula. Ouais, alors j'ai le jeu, il fait des chargements comme ça. Je pense que je vais trop vite pour lui. Je vais juste récupérer les ressources vite fait. Parce que ça, j'arrête pas de le faire. Comme vous pouvez le voir, il y a des ressources assez rares comme les bouteilles d'alcool. Sont intéressantes. Allez, maintenant qu'on a fait ça, alors, et Juan, il va être dans ses quartiers, c'est ça. Donc on va aller le chercher. Ah mais c'est une mission de niveau 3. Oh la vache, et je suis niveau 7, presque 8. Eh ben c'est pas mal. Je crois que le niveau augmente en fonction des compétences qu'on a et du niveau de... Ah je sais plus comment ils appellent ça. Compétences, c'est le niveau d'endurance et de santé et en plus les compétences. Comme vous pouvez le voir, il faut 25 000 d'XP à chaque fois pour l'endurance. Le parcours monte plus vite parce que je suis plus quelqu'un qui aime bien utiliser le parcours dans le jeu. Je trouve ça vraiment excellent. C'est la partie que je préférais déjà dans Dying Light 1. Elle n'a pas de marchandises. Attendez, je peux lui revendre des objets de valeur. Comme vous pouvez le voir, je suis tombé à 87 000 de florins parce que j'ai acheté un arc plus puissant. Pas beaucoup plus puissant, mais j'ai dit c'est l'occasion de le faire. Après, ce sera trop tard. Alors, Juan. Je ne peux pas sauter, donc je suis obligé de faire le tour. Je comprends pas pourquoi je puisse pas sauter d'ailleurs. Ça risque rien. Pam. Ah, il est là. Ah, mais oui, on y est allé. Je ne pouvais pas utiliser d'armes ici. Oula. Qu'est-ce qu'il fait? Non, mais oh, ça va, oui? Prenez-vous une chambre? Les champs, n'est-ce pas, ma chère? Tu veux te joindre à nous? Plus on est de fous, plus on rit. Non, je vais pas te faire rire. Oh, je t'ai embarrassé. Je suis désolé. J'ai cet effet sur les gens. Je t'attendrai là-bas, mais dépêche-toi. Oui, dépêche-toi. Je dois admettre que... J'admire ta persévérance. Pour moi, c'est pas là-bas, c'est je t'attendrai là. De savoir ce que tu feras quand je t'enverrai balader encore une fois. Ce serait dommage. Et quand je t'aurai cassé les dents, tu feras quoi? Single Malt des Highlands, de 16 ans d'âge. Mis en bouteille l'année précédant la pandémie. Ça va valoir de l'or, non? Enfin, pour quelqu'un qui s'y connaît. Il doit être dégueulasse. Il a fini la bouteille. Oh, le salopard. Ah non. Si. Vu comment il la tient, oui, il a fini. J'ai vu qu'un baril s'est vendu aux enchères pour plus d'un demi-million de dollars. Rien que ça. Mais pourquoi il a d'autres bouteilles sur... Oh le bâtard. Il fait quoi? Il a branlé la bouteille? Ah. Il m'insupporte ce personnage. J'ai envie de le frapper. Alors le problème c'est que si je bois pas, il va pas vouloir être pote. Le problème c'est que j'ai peur qu'il ait fait une saloperie. Je vais refuser. T'as raison. Il vaut mieux pas mélanger le travail et la romance. C'est jamais bon. Oui mais de toute façon il y aura pas de romance entre toi et moi. Faut pas arriver. Qu'est-ce que je peux dire?
Tu as brisé mes défenses. Donc, tu veux toujours ces lampes ? Oui. Matt a-t-il dit pourquoi il les voulait ? Pourquoi il les voulait vraiment ? Ouais, pour prendre le contrôle de la tour télé. Attends, il est sérieux ? Il est fou. Personne n'a essayé depuis une dizaine d'années. Mais alors, moi je vais le faire. Matt veut se préparer à défendre la ville contre l'attaque du boucher. Donc on devrait commencer à lui construire un monument, non ? Un seul problème. Le boucher ne prévoit pas d'attaque. Comment il est au courant, lui ? Qu'est-ce que t'en sais ? J'ai mes espions. Parmi les renégats aussi. Depuis la fin de la guerre, nous occupons le centre-ville. Pendant que le colonel squatte le barrage. Un simple levier à tirer, et la moitié de la ville se retrouvera sous des eaux toxiques. Le colonel n'est pas stupide. Il sait que la guerre serait la fin de tout. Ah, ça c'est intéressant. Alors pourquoi le boucher a attaqué la cantine ? C'est au centre-ville. Bonne question. Ce n'est peut-être pas le colonel qui a donné cet ordre. Il se passe autre chose. Quelque chose que nous ne comprenons Waltz. Pas. C'est Waltz. Et les lampes UV. Pourquoi il en a besoin alors ? Jack cache quelque chose. Depuis un moment, il commande plus de lampes qu'il n'en a besoin. Aha. Et puis, certaines de ces lampes disparaissent toujours. Elles sont introuvables une fois qu'on les a livrées. Yanguille Souroche. Je suis pas ici par plaisir, Juan. J'ai besoin des lampes pour... Pour découvrir ce qui est arrivé à ta sœur. N'est-ce pas, Aiden ? Comment il est au courant ? Je t'ai dit que j'avais mes espions. Je pourrais trouver quelque chose à propos de Waltz et ta sœur. Plus précisément sur le scientifique du GRE que Matt et toi essayez de contacter. Je dirais même qu'avec mes ressources, je peux trouver cette personne plus vite que Matt. En fait, je doute qu'il soit capable de les trouver du tout. Oh ! Oh ! Ah non ! Le choix de merde, je l'aime pas, mais il a l'air tellement convaincant. Ah, puis j'aime pas les pacificateurs. Allez ! On peut s'entraider. T'es intelligent, Aiden. T'es en ville depuis à peine une minute et t'as déjà choisi. Une minute. Je vais te donner les lampes. Ça empêchera Matt d'avoir des soupçons. Mais ensuite, va à la cathédrale. Y'a un type qui se cache là-bas. Un vrai cinglé, mais un génie de la technologie. Demande-lui de réparer cet ancien appareil d'espionnage. Il est mort. Si on pense à la même personne. Mettre sur écoute l'émetteur que Jack veut placer au sommet de la flèche du VNC. Laisse-le faire ce qu'il sait faire. En écoutant les communications de Matt, nous saurons ce qu'il fait avec les lampes supplémentaires. Ça se trouve, ouais, il a peut-être raison, c'est peut-être entubé. Je veux pas tomber dans le truc de « on se fait entuber », c'est sûr. Mais ça serait pas déconnant. Oh, Glaive. Glaive, pourquoi j'ai dit Glaive ? Nouvelle quête histoire, ruche. Un nouveau point de parcours de compétences de parcours. C'est intéressant, j'arrive à la fin. Hop, j'achète toujours toutes les ressources, putain, j'appuie sur C pour tout acheter, il achète pas tout. Ça me fatigue, je ne sais pas pourquoi. Allez, on prend tout, on va prendre le petit point de compétence, qu'est-ce qu'on va se prendre ? Il m'en reste que 4. Alors, tourner de 180 degrés, non, profiter d'une accélération de courte durée pour effectuer certaines actions de parcours. Foncez dans les obstacles, les ennemis sans vous arrêter, et courez vers un groupe d'ennemis sans perdre d'élan et réduisez les dégâts subis. Ça c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal, mais ça me donne bien envie. On va toujours pouvoir courir en fait. Quoique j'en ai pas spécialement besoin. Allez, on va prendre ça. Donc c'est maintenez G en avançant. Ok. Non, je ne peux pas l'utiliser ici. Je n'ai pas le droit d'utiliser de compétences de combat. Ok, c'est intéressant. D'ailleurs, je vais juste vérifier un petit point avec vous, mais on va s'arrêter là-dessus. Ah oui, il y en a la quête avec Ethan aussi. Alors, c'est là où j'ai récupéré la quête des coursiers. Et en fait, je pense qu'il faut que j'aille voir les coursiers pour rentrer dans leur guilde, entre guillemets, je pense. Bon, et bien, on commence à avancer dans l'histoire. Il y a des choses intéressantes, comme le fait que Juan peut nous aider apparemment mieux que Matt pour retrouver ma sœur. C'est intéressant, c'est très très intéressant. Le point il est là-bas, à 775 mètres. Oh
On est d'accord qu'en début d'épisode, cette zone n'était pas en rouge. Hein. Ouh. Alors, Juan Rayner voulait espionner Jack Matt pour découvrir ses plans. Son appareil d'écho ne fonctionnait plus, donc il me fallait un expert en technologie pour le réparer. Ils prennent du territoire, là. Je suis pas d'accord. Il va falloir qu'on s'occupe de ça. Oh, il y aurait une histoire de bataille de territoire. Ça serait excellent qu'il y ait une histoire de bataille de territoire. Et il faudra aussi qu'on s'occupe de la quête du Malabar, là. Je pense qu'on va avoir droit à toutes les phases. On va peut-être pas la faire la prochaine, la phase 3. Par contre, on fera peut-être la quête avec Hector la prochaine fois. Donc, vous savez quoi, on va se laisser là. Je vais juste sortir, voilà, pour histoire de ne pas vous mettre un écran fixe. Et pouvoir tester ma nouvelle compétence. Ah, il y a encore les renégats là-bas, fait chier. Je dis les renégats, mais c'est les renégats. Ma faute, my bad là-dessus. C'est bizarre. Bon allez, sur ce, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Encore pas mal de blabla, mais bon, malheureusement, il fallait y passer. Je pense que ce sera un peu plus excitant la prochaine fois. On fera la quête principale des Thor. J'espère juste qu'elle sera pas trop longue. Et au pire, c'est pas grave, ça fera un épisode complet sans cette quête. Ok. Ok. Donc... Oh merde. On va se laisser sur cet épisode. Oui, ça, je l'ai déjà dit. Je vous invite, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce. J'aime à mettre un petit commentaire sous la vidéo. À la partager sur les réseaux sociaux si vous voulez participer au référencement. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas pour ne rien louper. Et d'activer la cloche des notifications, évidemment, si vous ne voulez pas louper les prochaines sorties. Ou si vous pouvez venir sur le Discord qui vous notifiera à tous les coups. Il y a une nouvelle vidéo. Oh putain, je t'avais pas vu. Je lui ai traché la tête. Hop. Ah oui, c'est vrai, j'ai cette lampe maintenant. Oh non, j'ai tapé dans la bouteille. Et donc, en parlant de réseaux sociaux, vous pouvez me rejoindre sur Twitter, enfin X anciennement Twitter. Facebook, Instagram, TikTok, Mastodon, Blue Sky, ouais, bref, vous connaissez la chanson. Vous avez un lien dans la description, le tout premier au niveau des réseaux sociaux qui est le lien, c'est Linktree, donc arbre de liens, entre guillemets. Vous avez tous les liens dessus qui sont référencés, donc je peux vous inviter à passer par ce lien, ce sera plus simple pour vous. D'ailleurs, je me tâte même à ne laisser que ce lien dans la description. Ça sera aussi plus simple pour moi, ça fera une description un peu moins lourde à lire, on va dire. Allez, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne nuit, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Des bisous tout le monde. Ciao, ciao. J'ai pas le temps pour...